sommes la SCIC Les Trois Colonnes. Nous sommes basés à Écully dans l'Ouest lyonnais et la coopérative existe depuis 2013. Donc l'idée, c'est de trouver une solution pour comment on les finance, comment on les accompagne, comment on les aide à rester chez eux et à créer leur maison de retraite à domicile. L'idée, c'est vraiment de ne pas déraciner une personne âgée, mais c'est plutôt de mettre son patrimoine, de mettre ses biens au service de ses besoins. La coopérative est donc propriétaire des logements. Au moment de la libération du logement, on fait du recyclage solidaire. Favoriser l'accession à la propriété à des primo-accédants, à des familles monoparentales, à des foyers modestes, à des personnes âgées, ou le cas échéant, quand un appartement a été rénové ou on a une salle de bain qui peut être conforme à une personne à mobilité réduite, autant faire profiter ce type de profit. Des personnes propriétaires de leur logement qui souhaitent rester chez elles et qui ont une fragilité économique, sociale ou de santé. Pour répondre à un vrai besoin, on est tous concernés. On a tous des grands-parents, des parents et puis nous, notre avenir. On est absolument tous concernés par ce sujet. C'est un vrai sujet et un vrai enjeu de société. Et quelle réponse apporter à nos aînés qui ne veulent pas aller en EHPAD d'âge, 78 ans et plus, un critère de ressources. Le mandat SIEG, c'est moins de 1 900 euros pour une personne seule et moins de 2 900 euros pour un couple.